Il sort dehors, il revient. Il m'a dit, toute notre vie, ça a été ça. On est toujours parti, on est toujours parti. L'absence pour qui? Les gens croient que l'absence, c'est pour celui qui reste. Et souvent, l'absence, c'est pour celui qui part. Même s'il voit de nouvelles choses et tout. Mais ce qui est terrible dans l'absence, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on devrait voir. Tandis que pour les autres, l'absent, il est quelque part, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a dit, mais pour l'absent, il ne sait pas ce qui se passe chez lui. C'est un phénomène inverse qui a été très, très mal interprété. Et chez nous, on est obligé de partir. Toujours partir, toujours partir. Et moi, mon univers, c'était ça aussi, c'est l'univers de tout le monde. Très jeune, bon. Il faut partir parce que c'est une tradition, sans aucune raison. J'étais à la maison, bien, bien, mais il faut partir. Je suis arrivé en âge, il faut partir parce que tout le monde est parti. Je m'en vais. Et c'est là-bas, en France, j'ai découvert ce que c'était que l'absence. Ce pays, c'est comme si tu m'avais estropié. Ce pays me manque et tu ne peux pas t'imaginer. Mais quand tu reviens ici, c'est la même chose, tu penses. Hop, ça y est. Il y a l'absence de l'autre côté, de ce que tu as laissé de l'autre côté, un univers culturel, où j'en sais bien, ou un boulot, ou des copains, ou l'ami. Donc, il faut. Tout de suite, tu as envie de repartir aussi là-bas. Donc, cette absence, nous la partageons toute notre vie. Absence des gens qui sont partis, qu'on aime beaucoup, qui sont partis trop tôt. C'était pas un départ attendu. Ça aussi, ça compte. L'absence de l'être aimé, l'absence du grand ami, l'absence du petit frère, l'absence qui ne reviendra jamais, mais on l'attend quand même, il est absent, c'est tout. Il reviendra un jour ou l'autre. C'est en cet espace étroit pour la tendresse que j'ai aperçu un jour une mère digne. Elle suivait de ses yeux éteints ma silhouette, en quête de quelques souvenirs de Malek. Aussi frêle qu'un papillon, elle tendait ses mains vers le cimetière pour étreindre son enfant confié à la terre. Depuis,
J'ai su ta fascination pour les pierres et la terre qui résistent à l'oubli, qui résistent à la mort. Comme les trains ne rattrapent pas les enfances, tu reviens à travers ton enfant. Tu reviens sur le cimetière de Talantafat, exhumer les fantômes d'ancêtres, torturant nos mémoires. Rescapé de Tara, tu ne peux te soustraire à l'Anza, ce cri des morts qui ravive nos mémoires. Anza te ramène sans cesse vers tes mortes. Tu reviens sur les traces de ton enfance lorsque les murs ne résistent plus aux absences. Te voici face à cette maison à étage, autrefois signe de faste. Tu reviens pour prolonger de ton cri l'Anza des guerriers, achevé par notre indifférence. Voilà, à Sétif, ta ville d'accueil et d'adoption. Tu reviens boire à la source de tes amers souvenirs. Ici, te surprirent deux guerres, et chacune avait son lot de fantômes. Lévis. Autrefois, dans cette maison paternelle, régnaient les convictions et la foi en demain. Ici se regroupaient Farhad Abbès, Francis, Guénifi, Boumangel et tant d'autres. C'était ici que planaient les aigles. Te voilà, Sétif, au lycée Albertini, où tu vis les conditions d'indigène parmi juifs et pieds noirs. Dis-moi, Dahman, te souviens-tu de ton soulier perdu? Te souviens-tu de cet écolier qui ne rentrera plus chez lui? En ce jour-là, l'écho des fusils
porté des pleurs d'enfant. Mais là, moi, où j'ai eu la première grande sensation de la mort, c'était en 1945, lors des événements du 8 mai. J'étais gamin, évidemment, on est allé défiler avec notre petit drapeau. On avait la main, ça commençait à barouder partout. Les gosses n'en comprenaient pas, il fallait rentrer chez soi, c'est sauf qui peut. Et en cours de route, je voyais des gens tomber. Ils se tuaient, tout le monde se tuait, tout le monde tuait qui ? Tout le monde. Arrivé presque à la maison, je me suis aperçu que j'avais perdu un soulier. À l'époque, les souliers, ça coûtait cher, et le père, etc. J'ai eu peur de mon père, au lieu de rentrer à la maison, je suis retourné chercher mon soulier au milieu du baroud. En trouvant mon soulier, près de mon soulier, il y avait un gamin qu'on a tué, qui est mort, une balle perdue certainement, ou on l'a tué exprès, étendu, son cartable à la main. Ah, Sétif, terre de blé, en cette époque, ton pain rare et amer avait le goût du sang. Tu reviens bien plus tard à Sétif, traînant sur un chariot l'innocence mutilée, espérant apaiser l'ansa des enfants du 8 mai 45. Je vais à la gare prendre le premier train pour Marseille. Et demain, le premier bateau pour l'Algérie. En sortant de l'idée que j'étais embauché à la RTF, et je faisais ce qu'on appelait les émissions Télé-AK, télévision arabe et kabyle. Et c'est là où j'ai connu tout ce monde du cinéma, et c'est là où on m'a demandé, au fur et à mesure que je me formais tout, on m'a demandé de rester. Mais l'indépendance arrivant, je dis bon, puisque j'ai des capacités maintenant de la technique, et j'ai dit je vais aller travailler pour mon pays, je suis rentré en Algérie. Pour moi, c'était tout à fait normal d'arriver ici, de faire des films, les films que je veux, c'est-à-dire pour la Révolution, mais je pensais toujours, je ne connais que deux endroits, Sétif et la Kabylie. Donc, je me suis dit, je vais faire des films en Kabylie. Je l'avais fait en Kabylie, il ne le voulait pas. Je suis retourné, je l'ai post-synchronisé en français. Quand ils ont vu ça, ils ont voulu se tirer les cheveux. Comme une âme, c'était un petit fait de guerre. Un maquisard qui revient chez lui et qui retrouve sa fiancée avec un fils issu d'un viol de parachutiste. Voilà. En 68, j'ai déposé le film pour la Côte inoubliée. En mettant en bas, ce film ne peut se faire qu'en Kabylie, évidemment. Mis de côté, chaque ministre qui arrivait, non. Entre-temps, je faisais des documents et j'étais renvoyé. Je traversais une période du désert incroyable et j'étais obligé de faire ces deux films pour la télévision. Quand Kahlo Beyda
les oiseaux de l'été. Ce film Kahlou Baïda, nous le devons à Ahmed Bejaoui. Il a dit, il se fait ou je démissionne. En fait, comme je dis à tout le monde, je dis, je suis un cinéaste sans film. Je n'ai qu'un film. Si je devais compter les films en 35 mm, je n'ai fait qu'un film. Et le poste de réalisateur est un peu usurpé. Je ne sais pas si on peut s'appeler réalisateur quand on fait qu'un seul film. Voilà un peu cette carrière de s'écouler comme ça. Il fallait vivre, on vivait. Je m'occupais d'ailleurs plus du cinéma. C'était la grande période, je t'ai dit, du scotchage des francophones. Malik Haddad, Kateb Yassine, Sharam, on essayait de trouver quelque chose à faire, on essayait de vivre, on essayait. Ça a été un peu la bohème. Voilà. Cri de Pierre, moi j'aime beaucoup ce film. Bon, et... je peux trop s'affirmer. Zanihai. Il y a un petit peu de bedel. Il y a maintenant un peu. Mais je suis chef de la mort. لأجل اللي أنا ليه جعل الموت رفيقنا طول حياتنا. Et on raconte cette solitude de et de l'intellectuel et de l'enfant et du vieux qui va mourir. C'est un film très oppressant et qui repose aussi la question de l'identité. Qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes, où nous allons. La colline étant là, les problèmes ont commencé à se poser. Comme par hasard, on ne finançait plus, l'État ne finançait plus le cinéma. Il fallait faire se débrouiller de l'argent. L'État ne donnait que 500 000. La colline oubliée, avec tout ce qu'il faut, c'est un film qui demandait quand même de l'argent. Bon, du fait que j'avais l'autorisation, il fallait batailler, quoi. Comme un dingue. Mon argent est parti. Mes voitures vendues, mendier à droite, à gauche. Finalement, j'ai réussi avec cette wilaya à arracher 400 millions, avec la wilaya de Tizi à arracher 600 millions, et je suis arrivé à faire à peu près équilibrer un budget. Je dis, bon, c'est pas ce que je voudrais faire, mais tant pis, avec, je vais le faire. Il faut le faire, ce film. Avant que ce soit trop tard, avant que... Et j'ai plongé, voilà, je l'ai fait très très difficilement. Ça a été pénible, jamais... D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où on commençait toutes sortes de maladies qui m'ont esquinté. Je ne mangeais pas, tout angoissé, je ne dormais pas, je travaillais. Je faisais des 48 heures. Repérage, j'ai trouvé, etc. Et le soir, travail au scénario, ça n'a pas été facile. Et tu sais, dans toute cette course, tu étais présent, Mouzaoui, tu as vu toi-même, ça n'a pas été facile de ramasser un peu d'argent. Bien sûr, Dahman, je me souviens de ton cœur qui a flanché. À force de porter un pays, je me souviens de ce village que tu révélas à mes yeux comme on révèle un songe. Ici, tu rebâtis l'âme de l'ancêtre en décor à nos collines oubliées.
de jeunes étoiles accompagnèrent nos rêves, éclairant chacun de nos pas, pansant les blessures anciennes. Seulement, Lanza, des amants tourmentés a trop péri, avant de s'amarrer à ce piton qui, à défaut d'avoir la grandeur de Pompéi, il eut son destin. Depuis, les tremblements de terre se succèdent pour soustraire ton peuple à sa léthargie. Notre sommeil ne sera plus celui des justes. Nous vivons à l'ère de l'Égir, nous n'y vivons pas à l'ère de 2011. Parce que 2011, nous ne l'avons pas atteint, nous ne pouvons pas l'atteindre. D'autres ont pris trop d'avance. Et il faudrait tout un autre toute une autre réorganisation par rapport à notre identité, celle qui nous remonte de ce temps de 2000 ans, pour pouvoir enfin pouvoir réfléchir à ce que sera le temps, à ce que sera notre temps. Individuellement, c'est connu. Je vis un an, un siècle, mais le pays, quand on vit au pays, le temps, ce n'est pas simplement le temps d'une personne, c'est le temps d'un peuple. Donc c'est tout ça qu'il faut, qui dans ma tête tourne et retourne. Et cette phrase de Taous revient toujours dans ma tête. J'ai 2000 ans, j'ai aujourd'hui. Mais elle ne parle pas, je serai demain. Elle ne dit pas parce qu'elle n'est pas sûre. Il y a trop de nations qui ont déjà pris le demain. Ils sont déjà sur la lune. Nous restons au bord d'un désert balisé par une suffisance prophétique. Un soir de Noël, avec Malek Haddad, on se promenait dans le boulevard Saint-Michel. Tout d'un coup, il me regarde, il me dit, tu veux écouter Taous Amouche? Ah, je dis, écoute, on n'a pas de fric, comment? Il m'a dit, non. Il m'a dit, ce soir, elle fait la messe à l'église Saint-Séverin. Et on est parti. D'abord, en rentrant, c'est magnifique. Ce genre de messe, j'avais jamais vu ça. Comment c'était disposé. Et elle, au milieu de la chair, on dirait un petit moineau dans sa djellaba blanche. On ne voyait pas tellement sa tête, on dirait ses disques. Tout d'un coup, sa voix démarre. Elle a percé les murs de cette église et moi, j'ai eu une chair de poule. Ah, c'était magnifique. C'était fini. Tous les Français sont précipités sur elle, entourée. Tout le monde l'invitait, un réveillon qui est à la maison, qui est dans un restaurant. Et je regarde Malek, je dis, Malek, elle est à nous cette femme. Et il m'a dit, comment? Je dis, alors qu'est-ce que tu attends?
Et il faut, Malek, c'est un beau gosse, 1m85, bien costaud. Il écarte tout le monde. Et il la ramène. Il dit, Taous, on t'attend, hein. Tout le monde t'attend. Oui, oui, Malek, je viens, je viens. Et on sort d'or. Elle a dit, alors où est-ce qu'on va? Elle a dit, ouais, on va. Quand Malek, il part comme ça. Il n'a pas un sou dans la poche, et moi encore moins. Elle a rigolé, elle a dit, heureusement que j'ai préparé quelque chose. Maman est ici. Et on est parti chez elle. À Saint-Michel, la rue du Brochon, je crois, si j'ai encore le bon souvenir. Et je me suis remis à côté de Fatma Mansour. Elle était heureuse de parler kabyle. J'avais rencontré Mamri à cette époque. Il avait 20 ans de plus que moi. C'était déjà reconnu. Il faisait tout petit. Du fait qu'il s'est mis à parler en kabyle et que j'étais très intéressé, il n'a plus voulu me lâcher. En fait, il va et vient. Et puis je me suis aperçu qu'il savait chanter. Et je lui rappelais les chants. On a passé toute la nuit comme ça, poèmes, chants et rêves. Malek Haddad, je l'ai connu comme ça, j'avais fait un film. J'avais besoin d'un commentaire, donc il m'a écrit ce commentaire. Quoi. Un film qui a disparu, qu'on appelle comme une âme. Et par la suite, on est devenus amis parce que c'était des sensibilités qui étaient très proches l'une de l'autre. Et c'était un homme merveilleux. D'ailleurs, on l'appelait le prince des poètes, c'est pas pour rien du tout. Il avait un tas de qualités, il était très gentil, ami quand il le faut, et pas haineux dans ses contradictions avec les collègues. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler l'intellectuel. Et il a continué, tu lis toute son œuvre, c'est toujours, jamais, à aucun moment, on a senti chez lui un attachement quelconque à la France, en dehors de la célèbre phrase qu'il a écrite, « Je sortirai facilement un parachutiste de chez moi, mais Molière jamais. » Et bien, du fait qu'il ne trouvait plus sa place nulle part en Algérie, il allait de chez Belmiloud, chez moi, chez Bouzid. Il se baladait comme ça. C'était une cervelle errante, quoi. Et de plus en plus, il était dépressif. Et c'était, effectivement, s'il avait eu le courage de l'acte, il se serait suicidé tant il ne trouvait pas sa place dans ce pays, tant il ne retrouvait pas l'Algérie qu'il a rêvé. Il allait mourir, on était tous autour de lui, 2 ou 3 jours avant qu'il meure. Il se retourne. Dahman, c'est toi qui avais raison. Parce que j'ai toujours essayé de le ramener à la kabylité, et laisser tomber tout ce monde-là, et français, et arabe qui l'exploite, et exploite son nom surtout. C'est toi qui avais raison. Viens me voir, nous parlerons. Il n'est plus grand rideau à la lumière que la solitude. Quelle belle nuit. Je n'ai malheureusement pas le temps d'admirer les étoiles. Je te les confie.
ma solitude. La solitude, c'est ce que tu vois. Un homme, moi, un autre peut-être, tout seul, dans un grand appartement. Personne pour lui laver son linge, personne pour lui donner à manger, parce qu'il a choisi cette vie. Ou parce qu'il a été obligé à une vie pareille. Cela dépend du destin de la vie. La solitude est ce qu'il y a de plus dur à supporter. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais rester des journées, sans voir personne, sans que personne ne passe te dire bonjour, sans que personne ne t'appelle, alors que tu connais des millions de gens, parce que tu es connu, alors que tu connais des milliers de gens, parce que tu les as rencontrés, parce que tu connais une centaine de personnes avec qui vous avez partagé le pain et le sel. Et se retrouver comme ça tout seul, c'est un peu la mort. Je crois que c'est ça, c'est un peu ça la mort. Après la mort, ne fais pas peur. Je l'ai d'ailleurs dit dernièrement, dis-moi. Quand elle viendra, je lui tendrai sereinement la main. Il n'y a plus rien à foutre dans ce monde. Dans cette hacienda, qu'autrefois emplissait des rires d'enfants, il ne reste qu'un temple aux oiseaux et de mauvaises herbes rétrécissant nos ombres ferment à jamais le seuil à nos esprits engourdis par un soleil zénital. Dans ce monde qui se fissure, se désagrège, chacun de nous est seul, chacun de nous est vulnérable. Et nous sommes ensemble que pour attendre le rude coup fatal des injures. Non, je ne suis pas de nature à être triste. C'est la vie, quoi, c'est comme ça. J'étais obligé d'être comme ça, ben je le suis comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres qui ont plus de chance. Entouré de plein d'amis, qui continuent à vivre et tout. Moi, je ne vis pas à Paris, je suis sûr que je vivrais à Paris. Ça ne désempilerait pas. Je vis un petit trou au cœur du cœur de ma Kabylie et les gens n'aiment pas les trous. Même le jardin, la verdure, les fleurs, ne me disent plus rien. Tout ça, tu les partages. Tu partages avec des gosses, tu partages avec des amis, tu partages avec... Mais enfin, il reste quand même deux ou trois amis. Les pêches sont mûres, donnent à boire. Fille aux beaux yeux, fais le lit, le sommeil me gagne. Et prends la roue. Et
الحور يبا نفقي ما نفسوا يا انت عيوني سويدة ندومها شي الماما يدودو بحر هنا سي لا كاميرا كتقمشتها بايش تفضل تصق. En vérité, l'esprit peut mourir avant le corps. Parce qu'il arrive à un moment donné où tout est bloqué, où tu as pensé tout, et où tu n'as pas la force de réaliser ce que tu as pensé. C'est déjà, tu deviens déjà un corps mort. Bon. Et il reste ce petit parcours là entre la maison et la tombe où on se dit qu'est-ce que je vais devenir après. Et c'est ça le grand mystère. La mort pour moi a commencé avec la mort des deux Malek. Malek Haddad, d'abord. Un grand ami. On a fait tant de choses ensemble et tout, puis d'un seul coup, il meurt dans mes bras, comme ça. Et je vois que tout un univers que je tiens dans ma main, tout un univers qui va disparaître. C'était pénible. Et la deuxième, souvent, je n'aime pas en parler parce que... Adieu, Malek. C'est la mort de mon frère. Un garçon extraordinaire qui n'aimait que rire. Il n'avait pas le droit de mourir. Toi, Mousavi, tu l'as connu. Quand on dit de quelqu'un, il est merveilleux parce qu'il est mort. On triche. Mais de mal, on peut dire il est merveilleux. Il a été merveilleux. C'était un ami pour les autres, un très bon, d'après les témoins. Et c'était un parent merveilleux. Et c'était le petit frère. C'est moi qui l'ai mené pour la première fois à se couper les cheveux. C'est moi qui l'ai emmené pour la première fois à l'école. C'est moi qui l'ai emmené pour la première fois au cinéma. Et c'est moi, nom de Dieu, qui l'ai envoyé à Moscou. Après, l'amour a pris un autre sens parce que... Dès que quelqu'un mourait, c'était toujours le retour à ces deux Maleks. Un pour une raison, l'autre pour une autre raison. Je te dis parler de la mort. Tout le monde a parlé de la mort. Dans le livre, Enza, je ne sais pas, il y a plus de 30 morts bien décrites. Mais ce n'est que la littérature. Mais quand la mort, c'est la chair de ta chair. Voilà. On arrête, s'il te plaît.
Guermite, ça suffit. Je t'ai dit pas d'improvisation. Le directeur, sors énervé. Machiniste, sortez-moi Guermite. Qui reste d'une mort? Quand on meurt, on meurt. N'importe quel moyen, en croyant pas, en pratiquant pas, en accidentel. Mais ce qu'il reste d'une mort, c'est la mémoire après. On continue à vivre, il y a une deuxième vie, mais qui se fait par les autres, par cette mémoire, les gens qui se rappellent. Il a fait ça, il n'a pas fait ça, il a certains. Et ça, ça nous emmène donc à pénétrer d'autres personnages, à pénétrer l'histoire et à pénétrer le vécu des autres et du mien par rapport à eux. Et on rentre dans ce qui est. Ce qu'on appelle la vie, quoi. Ça, c'est la vie. C'est pas. Et on se met à lire. On ne lit plus le pourquoi de la mort. On lit ce type-là, comment il a vécu. Un tel, il est mort, mais à travers nous, il va revivre parce qu'il a écrit. Parce qu'il a peint, parce qu'il a été un héros de la guerre, parce que, je ne sais bien, pas parce qu'il a été mon ami, parce que chacun, c'est des mémoires, ou parce que simplement, ce gars est de mon village, et je me souviens de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait, de ce que... Et il aurait dû faire et qu'il n'a pas pu faire. Voilà ce que c'est que un peu la mémoire. C'est on ressuscite. Les autres recommencent, les morts recommencent à vivre, c'est leur deuxième vie, mais à travers nous. Demain je meurs, Mouzaoui, quand il parlera de moi, je sais que je vais revivre à travers Mouzaoui, à travers mes enfants, à travers... C'est ça, en fait, la mémoire, ce que moi je ressens, la mémoire, c'est que je vois à travers des personnages morts, et derrière, je déterre tout un destin. Donc ça m'emmène... très loin, des comparaisons, je t'ai dit, un monde qui écrit, un monde qui peint, un monde qui sculpte. Comme le bonheur pouvait être simple, tu voulais juste revoir Sétif. Avant notre séparation, avant que tout devienne noir, comme tu le disais si bien. Inutile pèlerinage, joie morte, à une fois n'attend pas de visiteurs partant d'hiver. Le pas incertain, un sentiment de malheur a voilé ton regard mélancolique. Autre temps, autre mœurs, la douillette maison familiale qui contenait tes souvenirs d'enfant a cédé son charme aux horreurs du béton. Il neige de rue à Sétif. Il neige sur Tara, qui se part pour le long sommeil de l'hiver.
vallée de la Soumam entre peu à peu dans ses recueillements. En face, les lamentations de la femme couchée rythme le temps qui coule. La vallée frémit sous un linceul blanc. Une année meurt. Elle meurt lentement. Cœur du cœur de Tamurth, des rescapés de la tribu entretiennent l'amitié pour faire reculer la mélancolie de l'hiver. Ils ont allumé le feu pour panser les blessures, apaiser des douleurs. Ils ont un bout de pain, des rires et des poèmes. Des jours, d'inventer la santé, de prêter un autre souffle. Alors, ils chantent, et n'entendent pas le train des morts. Oh, taisez-vous, musiciens. N'entendez-vous pas pleurer un enfant? C'est l'ami qui s'en va. Il s'envole vers la femme couchée, apaiser l'Anza, sans verser de sang. Il s'en va ramener l'amour qui nous a tant manqué. Laissez-le partir, sans pleurer, selon sa dernière volonté. Séchez-vous-là! En vérité, je ne sais qui meurt le plus. Moi qui m'en vais ou vous qui restez? Je pouvais être étranger sur ma terre. Dessous, elle m'appartient.